Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Bonjour tout le monde. Le Seigneur nous bénisse aujourd'hui. Il me bénira. Il te bénira. Et nous rendra triomphants dans le ministère au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour cette heure. Merci pour ce moment. Merci pour ce que tu fais en notre temps, dans notre génération. Tu suscites des hommes et des femmes, des ministres, dans tous les domaines et avec des dons différents dans les différentes dénominations. Nous demandons, Seigneur, que tu impactes les vies, les passions, la vision à chacun au nom de Jésus. Après cette période, la conférence des ministères des professionnels pour une conférence pareille, nos ministères ne seront plus jamais les mêmes. Il y aura de nouvelles puissances, une nouvelle force, une nouvelle vision, et un nouvel enthousiasme et un nouveau progrès dans l'œuvre du Seigneur au nom de Jésus. Confirme ta vérité, ta parole, ta puissance dans chaque vie. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Nous avons commencé le vendredi et nous avons eu la première étude concernant un ministre, un messager concernant une personne dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, comment le Seigneur l'a appelé, comment le Seigneur l'a commissionné et comment le Seigneur l'a mis de l'avant dans le ministère. Et nous avons appris de cela. Pourquoi? Parce que le Nouveau Testament dit que toutes ces choses qui ont été écrites avant notre temps, avant le Nouveau Testament, qu'elles ont été écrites pour notre instruction, pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, pour qu'à travers la grâce de Dieu, la même grâce en eux, la même force en eux, la même puissance qui était en eux, le même ministère obligeant qui était sur eux, que nous aussi, nous ayons l'encouragement et que nous ayons la puissance obligeante qui nous lance dans le ministère que le Seigneur nous appelle à exécuter. Josué est la personne sur laquelle nous nous concentrons en ce moment. Et aujourd'hui, nous venons à Josué chapitre 1. Je vous lis du verset 1 au verset 5. L'assurance divine pour l'accomplissement du ministère. Une chose est d'avoir l'appel dans le ministère. Autre chose est d'avoir la confiance et d'avoir la confirmation venant du ciel à tout moment que voici l'appel de Dieu sur notre vie. Et pour avoir la confiance et la foi en Dieu, pour pouvoir donc continuer et réussir dans le ministère. Alors ici, donc, nous avons l'assurance venant de Dieu, l'assurance divine, pour l'accomplissement dans le ministère. Josué chapitre 1, lisons à part du verset 1. Il nous dit, « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, l'Éternel parla à Josué. Moïse avait déjà commissionné Josué, il lui avait imposé les mains, il lui avait imparti l'esprit des vainqueurs, l'esprit du courage, pour qu'il puisse donc porter la parole et qu'il puisse conduire le peuple de Dieu hors du désert et les conduire à la terre promise. Mais il voulait la voix de Dieu et il a attendu. Et on dit, Dieu lui-même parla à Josué disant, fils de Noun, serviteur de Moïse. Verset 2. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe, lève-toi.
parce que la nation avait besoin d'un dirigeant. Et le leader, le premier, le plus éminent, le plus fervent, le non compromettant est parti. Et nous avons besoin d'un remplaçant. Il dit alors, Moïse, mon serviteur, est mort, est parti. Et il est allé dans l'au-delà. Josué, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Voyons le verset 3. Il dit, verset 3 dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied. Tout lieu. Si vous tenez dans un lieu local, c'est ce qui te sera donné. Si tu vas au-delà et tu as la force de te lever et d'avancer et d'aller au-delà du petit territoire, c'est ce que tu auras. Parce que tout lieu que foulera la plante de votre pied, si tu ne dis pas qu'il y a un lion sur le chemin, il y a des difficultés en route, ah, la voie là-bas et le territoire là-bas, oh, être vraiment rocailleux. Ça, c'est du côté de la montagne, je ne pense pas qu'on peut parler là-bas. Si tu ne vas pas là-bas, tu ne l'auras pas. Mais si tu dis, regardez la montagne, regardez la colline, regardez la voie, regardez la section, regardez tous ces domaines-là, et rien ne te fait battre en retraite, rien ne te restreint. Et tu dis, j'irai là-bas, là-bas j'irai, partout j'irai. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Il nous dit dans verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi. Vous voyez, quand les gens ont peur, les gens comme eux-mêmes, et parce qu'ils craignent des gens comme eux-mêmes, ils peuvent connaître la Bible, ils peuvent connaître la parole, ils peuvent avoir le ministère, ils peuvent avoir la vision, ils peuvent avoir une mission obligeante, sachant où aller et sachant quoi faire. Mais parce qu'ils ont peur des géants qui sont là-bas, parce qu'ils ont peur les regards des gens qui sont là-bas, ils ont peur l'apparence des gens qui se trouvent là-bas, et même dans la main dont ils parlent, ils n'arrivent plus à parler. Ils parlent légèrement. Ils parlent, ils se peuvent peut-être à cause de la main dont ils agissent et de la main dont ils apparaissent. Donc ils ont peur. Ils n'arrivent pas à aller là où ils doivent aller. Ils battent en retraite. Ils font demi-tour. Ils ont la parole. Ils ont l'appel. Mais parce que cet homme, regardez sa stature, cet homme, regardez son apparence, tel homme, regardez son visage, ça c'est un lion d'homme, ça c'est un géant, ça c'est un Goliath. Mais si tu fais face à la situation, et tu fais face au champ, et tu fais face à ton appel, et tu ne permets à aucun homme de t'effrayer, de t'intimider, de te faire battre en retraite, de te résister, et tu t'attaches à l'appel que Dieu t'a donné, tu verras, quand tu seras là-bas, tous ces géants-là vont quitter ton chemin. Tous ces gens, avec leur langage dur, avec leurs propos durs, avec leur force brutale, et comme tu viens, et tu comptes sur l'appel et le charisme et les dons de Dieu dans ta vie, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que tu vivras. Quelque chose est d'audacieux quand on est jeune. Quand vous n'avez pas encore d'expérience dans la vie, dans vos jeunes jours, nul ne tiendra devant toi tant que et tu es utile. Et la force de la jeunesse et le courage de la jeunesse est devant toi. Maintenant, quand tu commences à prendre de l'âge, tu commences à vieillir et tu as rencontré les Canaanais, tu as rencontré les Éviens, tu as rencontré les Jébusiens, tu as rencontré tous les Éthiens et tu as vu ce qu'ils peuvent faire.
et tu as entendu parler d'eux, et tu as entendu écouter leur histoire, tu as vu ce qu'ils ont fait à d'autres personnes comme toi. Alors, avec toutes ces expériences, comme tu prends de l'âge, tu deviens un peu plus timide que tu l'étais quand tu étais encore adolescent, tu deviens un peu plus craintif que tu ne l'étais quand tu as commencé le ministère. Parce que tu regardes ces gens-là, tu ne regardes plus ton Dieu et tu as oublié la promesse que Dieu t'a donnée et dit tous les jours de ta vie. Jeune, moi, quand tu seras, il dit nul, ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse qui a affronté Pharaon. Comme j'ai été avec Moïse qui a affronté les magiciens, comme j'ai été avec Moïse en tout temps qu'il était dans le pays d'Égypte et dans le désert, comme il a affronté Coré, Dathan et Abiram, comme il a affronté tous ces gens-là qui ont contredit la voix du Seigneur étant établie par ministère, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Il faut un grand amen là-bas, hein. Il dit, je serai avec toi. Je ne te délaisserai point. Amen. Je ne t'abandonnerai point. Amen. L'assurance divine pour l'accomplissement dans le ministère. Il y a trois points à considérer dans ce passage. Premièrement, la proclamation divine du Dieu omniscient. Le Dieu qui connaît toutes choses, le Dieu qui voit toutes choses, le Dieu qui connaît la fin dès le commencement, le Dieu qui connaît ta vieillesse, même quand tu étais encore un petit. Dieu omniscient, qui connaît toutes choses, il sait où tu seras à un moment donné, dans une période donnée, dans une année donnée, et ce que tu feras, et là où il t'enverra. Ce Dieu-là, qui connaît toutes choses, il fait une proclamation, la proclamation divine du Dieu omniscient. Deuxième point, la promesse divine de la part du Dieu omnipotent. La promesse divine de la part du Dieu omnipotent, qui est tout puissant, et il peut faire toutes choses. Et tout ce qu'il a promis, c'est ce qu'il fera, parce que rien ne peut empêcher la puissance de Dieu dans ta vie, dans ton ministère, dans ta famille. Rien ne peut empêcher la puissance de Dieu dans tes prédications. Peu importe qui est là ou qui n'est pas là. Celui qui a toute la puissance, toute la force, est celui qui est fidèle à tout moment, tout au long de nos jours, c'est lui qui fait la promesse. Il fera ce qu'il a dit dans ta vie. Dans ton ministère, dans ta famille, il fera tout ce qu'il a dit. La promesse divine de la part du Dieu omnipotent. Troisième point, la présence divine du Dieu omniprésent. Aidez, Josué, viens. Je suis à tes côtés à tout temps. Je ne vais pas t'abandonner, je ne vais pas te délaisser. Parce que celui qui est présent partout, à la mer, il est là. Derrière la mer, il est présent là-bas. Dans le désert, il est présent là-bas. Quand tu affrontes les Cananéens, sa présence est là. Partout, n'importe où tu vas, comme il t'a envoyé, il sera le capitaine de l'armée de l'Éternel. Il va te dévancer. Il sera derrière toi. Il sera à tes côtés. Il va même vivre avec puissance et force au-dedans de toi. Et avec lui, tout est possible, partout, n'importe où tu vas, tu verras qu'il est toujours là. Si la maladie frappe à la porte, le guérisseur est toujours là. Si la pauvreté frappe à la porte, le pourvoyeur, Jéhovah Jireh, il est toujours là. Et si les ennemis frappent à la porte, l'Éternel, le Dieu des combats et le roi de gloire est toujours là. Il sera avec toi au nom de Jésus. La présence divine du Dieu omniprésent. Voyons le premier point. Premier point,
la proclamation divine du Dieu omniscient. Josué chapitre 1. Lisons à partir du verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 2? Verset 2, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, et toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne. Oh, ne laisse personne derrière. Rappelle-toi ce que Moïse a dit à Pharaon. Même rien ne sera laissé derrière. Tout ce peuple, les enfants, prends-les dans le ministère. Les jeunes, prends-les dans le ministère. Les hommes, les femmes, prends-les dans le ministère. Les fidèles, les timides, les peu, les poltrons, ceux qui tombent, les rétrogrades, relève-les et rassure-toi que chacun va avec toi. Ils seront tous à la terre promise et nous y arriverons. La terre promise. La terre promise. Tu y arriveras au nom de Jésus. Nous tous. Christ va nous amener. Et il nous conduira là-bas. Aidez tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. La proclamation divine du Dieu omniscient. Voyons trois éléments ici. Premièrement, le départ et la promotion de Moïse. Le départ et la promotion de Moïse. Deuxième élément, la démonstration de la patience par son ministre. La démonstration de la patience par son ministre. Troisième élément, la délimitation. La délimitation, la description et les périmètres de son ministère. Voyons le premier élément, le départ et la promotion de Moïse. La première partie du verset 1. Après la mort de Moïse, après le départ de Moïse, serviteur de l'Éternel. Voyez la première partie du verset 2. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Ce mot mort, il ne faut pas que cela vous confonde. Nous avons un temps limité et une période ici-bas sur terre. Et nous passons de l'autre côté dans notre résidence éternelle. Nous quittons le temporaire, la résidence temporaire d'ici, et nous quittons ce lieu, cette terre de poussière et de bruit et de confusion et de trouble. Et ensuite, nous passons à une résidence avec les anges de Dieu. Nous allons donc dans la résidence où il n'y aura pas manque d'eau, où il n'y aura pas de murmure de la multitude, où il n'y aura pas de rébellion de Coré, Dathan et Abiram, où il n'y aura pas de conflit avec un pharaon ou un égyptien. Nous passons à notre résidence où rien ne pourra nous toucher. Il n'y a pas de maladie là-bas, il n'y a pas de souffrance là-bas, il n'y a pas de pleurs là-bas, il n'y a pas de chagrin là-bas, il n'y a pas de mort là-bas. Et Moïse a quitté ce lieu temporaire et il est allé dans le lieu éternel. En réalité, c'est une promotion. Nous quittons ce lieu et nous passons plus haut dans les cieux plus élevés. Nous entendons parler de Dieu. Nous croyons en lui, mais nous ne le voyons pas et nous ne l'avons jamais vu physiquement. Aucun homme ne verra mon visage sur terre et vivra. Maintenant, Moïse est allé dans l'au-delà. Et il entendait la voix de Dieu. Maintenant, je peux voir la face de Dieu. Il entendait parler du trône de jugement. Il peut voir le trône maintenant. Il entendait parler des anges. Oh, mon ange sera avec toi, va vous conduire là-bas. Maintenant, il peut voir non seulement un ange, mais des myriades d'anges. Il voyait tous les commandements.
que l'Éternel lui avait donné. Maintenant, il a la félicitation, la récompense. Ça, c'est la promotion. Lorsqu'un croyant quitte ici-bas et il va dans l'au-delà. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Apocalypse 14, 13. 14, 13 d'Apocalypse. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux, dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux, dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, de leurs œuvres, de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ce départ énonce la promotion dans chaque vie des serviteurs de Dieu, d'un enfant de Dieu, d'un fils, d'une fille de Dieu qui quitte ce lieu pour l'au-delà. Deuxième élément, la démonstration de la patience par son ministre. Nous avons déjà lu Josué chapitre 1, verset 2. Moïse est parti et les enfants d'Israël étaient encore là. Quelle est la chose suivante? Ceux qui ont entendu que Josué était commissionné parce que Moïse lui a imposé les mains, en leur présence, certains étaient pressés. Dépêche-toi, lève-toi. On est là, dans le désert, depuis 40 ans, et maintenant il est temps d'avancer. Et c'est toi le leader. Lève-toi et avance. Mais la patience d'un ministre. Voyons quelque chose ici. En Ésaïe, chapitre 30, verset 18. Ésaïe, chapitre 30, verset 18. Vous verrez que Dieu attend. Dieu attend voir ton attitude. Est-ce que tu es impatient? Est-ce que tu es du genre toujours pressé, pressé, pressé? Une femme toujours pressée, pressée? Ou bien tu attends? Il a attendu. C'est pourquoi Dieu attend pour voir si tu vas attendre. Josué a attendu. Et Dieu a vu la patience de son ministre. Voyons cela en Ésaïe chapitre 30, verset 18. Il dit, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il cherche ceux qui vont voir sa puissance. Alors l'Éternel attend et il cherche ceux qui seront comme Dathan, Korah, Abiram. Et diront, ah, est-ce que nous ne sommes pas tous des leaders? Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas faire ci et faire cela? Et ils saisissent le pouvoir et l'autorité. Et ils sont tellement pressés qu'ils veulent être ceci ou cela. Et l'Éternel attend. L'Éternel attend, le Seigneur attend pour voir ceux qui vont transformer l'Église en un cercle, en une entité politique. Et commencent à faire la campagne. Tu sais qui je suis? Et tu que, depuis que je suis venu, tu sais si, tu sais cela, non? Et ils font la campagne. Et ils font campagne avec toute chose. Tout ce qui est sous leurs mains. Ils peuvent faire campagne avec l'argent. Ils peuvent faire campagne avec leur voix. Ils peuvent faire campagne avec leur tribu. Mais l'Éternel attend et regarde. Comment est-ce que cet homme-là, les gens pleurent, les gens crient. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas cet homme-là là-bas? Parce que le Seigneur attend. Il ne veut pas. Il ne veut pas un religieux politicien sur son peuple. Il ne veut pas placer un Absalom sur son église. Il ne veut pas établir quelqu'un qui veut seulement saisir le pouvoir et qui dit, c'est moi qui suis là, je suis là, et c'est moi qui détermine tout. Et c'est moi, si vous là, vous ne connaissez pas ma qualité, ma valeur, je vais vous montrer que c'est moi qui suis ceci. Le Seigneur ne veut pas un religieux politicien à la tête de son église. C'est pourquoi le Seigneur désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Le Seigneur attend au début du verset et à la fin du verset. Il dit, heureux ceux qui sont patients, ceux qui attendent, ceux
qui ne font pas de campagne pour le leadership, pour l'autorité, comme s'ils cherchent une position politique dans l'Église et dit heureux sont tous ceux qui espèrent, qui attendent Dieu. Josué a attendu. Il savait. Il était là avant. Il faisait partie de l'un des 12 avec Caleb qui sont allés sur la terre de Canaan. Il connaissait le chemin. Il connaissait la voie. Il connaissait tous les détours et les raccourcis, bien sûr. Mais il a attendu. Ce n'est pas la connaissance. Ce n'est pas les aptitudes. Ce n'est pas le pouvoir. Ce n'est pas une question d'empressement. C'est une question. Est-ce que tu peux attendre Dieu? Est-ce que tu peux attendre jusqu'à ce qu'il t'appelle ton nom, Josué? Mon serviteur Moïse est mort. Est-ce que tu peux attendre jusqu'à ce qu'il dise, lève-toi? Et Dieu, il t'envoie vers le peuple. Et ce peuple conduit-les sur la terre que je leur ai donnée. Troisième élément maintenant, la délimitation et les périmètres de son ministère. Voyons, Josué 1:4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éthiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Vous aurez pour territoire. Le Seigneur a délimité, a défini et a tracé et a dicté les périmètres du ministère. De la conquête que Josué devait avoir. N'est-ce pas ce que Dieu fait à tout moment? Voyons Actes, chapitre 9, verset 6. Actes 9, lisons là le verset 6. Voici Saul qui est devenu Paul posant la question. Paul, il était un homme éduqué. Paul était un homme intelligent. Et Paul était un homme fervent. Paul, même depuis le temps qu'il persécutait l'Église, il était un homme vraiment droit et il était un homme déterminé, un homme visionnaire. Maintenant, après être né de nouveau, ouais, quand nous naissons de nouveau, beaucoup de choses changent dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos vies. Tout ce type d'attitude bruyante, ce type d'attitude qui bondit sur les autres, ce type d'imposition de soi sur les autres et créant un type de ministère pour nous-mêmes, tout cela passe lorsque nous sommes véritablement convertis et Dieu lui-même définit là où il veut que nous soyons et ce qu'il veut que nous fassions. Et ces apôtres étaient là déjà. Mais comme Saul est converti et il a rencontré le Seigneur, voici son attitude. Voyez ce que Christ lui-même a établi pour lui. Verset 6, tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, tu es maintenant le Seigneur de ma vie, le capitaine de mon bateau, le directeur de ma vie. Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Je vois que les apôtres sont déjà là. Que veux-tu que je fasse? Je vois que les prophètes sont déjà là, les évangélistes sont là, les enseignants sont là, les pasteurs sont là. Et je vois, je persécutais l'église, donc je sais là où, je connais tout sur l'église. Ils sont tous là. Et tu as assez de ministres déjà. Mais est-ce que moi je peux faire quelque chose? Que veux-tu que je fasse? Permets au Seigneur de définir, permets au Seigneur de dicter, permets au Seigneur de décrire. Voici ce que tu dois faire. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Seigneur, tu me mets en suspension, hein? Je veux connaître maintenant. Je veux voir maintenant. Je veux être capable de t'entendre directement. Qui va me parler là-bas, dans la ville? Ces gens-là,
que je persécutais là, comment est-ce qu'ils vont même me parler? Dis-moi. Il dit non. Va dans la ville. Et sois dans le suspense. Attends. Attends dans la prière. Attends dans la supplication. Et attends dans l'attente. Et attends dans une pleine confiance que celui à qui tu as donné ta vie, lui-même, te mettra dans le bon endroit. Celui que tu as cru, ton Jésus, ton Sauveur, le capitaine de ton âme, il te mettra là où tu dois être. Il n'y a pas de lutte avec les apôtres de Jérusalem. Il n'y a pas de lutte avec Pierre, avec Jacques ou Jean. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de campagne. Paul, allant vers l'église et disant, vous savez, je connais les pharisiens, je connais les sadduciens, je maîtrise le Sanhédrin, je connais tout le monde. En fait, s'ils viennent, si je deviens le leader de cette équipe apostolique, je vous assure, je vais renvoyer tous ces gens-là. Mais parce que je les connais, je connais là où se cachent. Non, 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 il n'y a pas de campagne. Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Et pour cela, quand il est allé à Damas, il n'allait pas de maison en maison disant, « Oh, moi Paul, les choses sont différentes maintenant, je vous verrai le plus grand prédicateur de votre vie. » Non, il est allé dans une chambre et pendant 3 jours et 3 nuits, il priait. Il était toujours dans la prière. Seigneur, j'attends. Je suis toujours dans le suspense. Que veux-tu que je fasse? Voyez le verset 15. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, parle à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Un instrument que j'ai choisi. Seigneur, ça veut dire quoi? Un instrument que tu as choisi? C'est un homme choisi qui va écrire ma révélation. Et il va écrire 14, y compris hébreu, 14 livres des 27 livres du Nouveau Testament. Il est un instrument que j'ai choisi, qui portera l'évangile et qui portera la bonne nouvelle et le message du salut. Il le portera au roi, à Israël et aux païens. C'est un instrument que j'ai choisi. Je l'enverrai à Rome, la capitale même du monde des païens. Et je l'enverrai partout. Et il prêchera dans les synagogues, il prêchera à Athènes, il prêchera dans les champs. Il sera fortifié. Il va redresser ces gens-là. C'est un instrument que j'ai choisi. Quand tu attends l'heure du Seigneur et sa main t'atteint et il t'élève, et il te met dans le ministère, c'est ce qui va arriver. C'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, premièrement, devant les rois, deuxièmement, et devant les fils d'Israël. Deuxième point maintenant, deuxième point, la promesse divine de la part du Dieu omnipotent. La promesse divine de la part du Dieu omnipotent. Josué chapitre 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Je vous le donne en possession. Josué, que penses-tu? Le Seigneur dit que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Josué a dit, il ne me donne pas ça comme propriété personnelle. Il me donne cela comme représentant des enfants d'Israël, des descendants d'Abraham. Il a donné cela à Abraham, à Isaac, à Jacob. Et comme je suis venu maintenant, je reçois cela au nom des enfants d'Israël. Ce qu'il dit qu'il nous donne, ce n'est pas notre bien personnel, ce n'est pas notre bien privé, quelque chose, ah ça c'est pour moi, non, 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 l'église n'est pas à toi, le peuple n'est pas à toi, l'assemblée n'est pas pour toi, tu es son représentant,
tout ce qu'il donne, la promesse, la puissance et le progrès, il ne te donne pas ça comme un bien personnel privé. Il te donne cela comme représentant. Il le donne à la nation d'Israël. Ainsi donc, quand il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Trois éléments également. Premièrement, nous voyons la bonne promesse pour une foi active et surpassante. Une foi active et surpassante. Quand Dieu fait une promesse, il veut que notre foi, la foi qu'il reçoit, il veut que cette foi soit active. Deuxième élément, les grandes promesses pour une foi progressive et qui cherche. Si Dieu dit, regarde le pays devant toi que je vous donne, tu dois te lever, tu dois avancer, tu dois chercher, tu dois sonder, tu dois poursuivre. Les grandes promesses pour une foi progressive et qui cherche. Troisième élément, les promesses de Dieu possédées par une grande foi qui s'approprie. Premier élément maintenant, la bonne promesse pour une foi active et surpassante. Josué chapitre 1, lisons verset 3. Verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous voyez que c'est une promesse conditionnelle. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, Josué, tu es debout comme le capitaine de l'armée des enfants d'Israël. Si tu délègues toute chose, et tu dis, tu comprends, quand Josué en ce moment avait plus de 80 ans, son collègue Caleb a dit qu'il a maintenant 85, et lui-même, il avait environ cet âge, et il ne s'est pas assis à la maison. Josué, pourquoi est-ce que tu ne t'assois pas? Dieu a dit que tout lieu que foulera la plante de mes pieds, qu'il me donnera. Si je m'assieds là-bas, dans le fauteuil roulant, et je m'assieds dans le fauteuil, et je me repose, et je me relaxe, et la plante de mes pieds est seulement ici, dans ce petit lieu convenable, cette zone-là, alors c'est tout ce que j'aurai. Mais si je veux avoir, je vais avoir ici, alors je dois quitter l'armée, je dois conduire l'armée, être là-bas même. Il connaissait mon âge. Il connaît ma force. Il sait peut-être que ma force n'est pas la force d'un adolescent, mais il me dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. C'est pourquoi je dois poursuivre. C'est pourquoi je passe d'ici là-bas. Parce que c'est de cette manière que cela me sera donné. Il dit, comme je l'ai dit à Moïse. Maintenant, quand vous regardez toutes les conquêtes qu'ils ont eues, dans le pays de Canaan, vous verrez la foi, le type de foi qu'ils ont eu. Quand vous allez au chapitre 6, nous n'avons pas le temps de lire ça maintenant. Dieu a dit, ce sont les murailles de Jéricho. Et tu dois faire le tour de Jéricho. Tu ne diras aucun mot. Une foi silente, silencieuse. Ce n'est pas une foi qui crie, qui fait du bruit. Pas une foi qui s'enorgueille. Non, une foi silencieuse. Et vous le faites une fois par jour, le deuxième jour, le troisième jour, une fois silencieuse, le quatrième jour, fois silencieuse, et le cinquième et le sixième jour, fois silencieuse. Et cette fois silencieuse, quand je vous dirai de crier, le septième jour, maintenant vous avez la fois silencieuse qui devient une fois qui fait du cri. Quand vous allez crier, les murailles vont s'écrouler. Il y a des fois dans nos vies, nous avons la fois. Et la foi est silencieuse, comme la foi de Daniel. Il était dans la fosse au lion, et il n'a pas dit,
Oh lion, je vous lis, je vous commande, vous n'allez pas me mordre. Et lui criait non. Il y a des moments, il faut la foi silencieuse. Il a dit que personne ne doit prier pendant tout ce temps. Mais il a prié, il a prié. Il n'a pas argumenté avec les gens, il n'a pas discuté avec les dictes du roi. Il a dit dans sa chambre, il a prié. Et maintenant, on dit, on l'a eu, on doit le jeter dans la fosse au lion. Alors, nous avons la foi silencieuse. La foi silencieuse, il est descendu là-bas, dans la fosse au lion. Il croyait toujours en Dieu. Et on a dit, cet homme, Dieu l'a épargné parce qu'il a cru en son Dieu. Même s'il n'a pas crié, même s'il n'a pas parlé, il avait la foi silencieuse. Il y a la foi sans la vue. Tu ne vois pas. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Dieu lui a fait une promesse. Et sans rien voir du tout, qui montrera que Dieu l'exaucera. La foi sans la vue. Et il a eu la promesse. Samson, ils ont ôté ses yeux. Mais ses cheveux ont commencé à pousser. Sa confiance a commencé à revenir. Et sa confiance a commencé à croître. Il ne savait pas que cet homme avait une foi sans la vue. Il ne savait même pas où se trouvaient les poteaux. Il a dit à un homme là-bas, « Est-ce que tu peux m'aider à me trouver les poteaux ?» Et il a pu s'adosser. Il a mis ses mains sur les poteaux. Il était silencieux. Il n'avait pas la vue. Il ne voyait rien du tout. Comme Abraham, appelant les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et maintenant, son corps était presque mort. Même s'il ne voyait pas l'évidence que Dieu donnera l'enfant promis, il avait la foi sans, silencieux, la foi sans la vue. Il y a également la foi qui chante. Josaphat sur le champ de bataille. Et le Seigneur a dit, vous avez jeûné. Et après, ils ont prié le Seigneur. Comment ferons-nous? Parce que nous n'avons pas de force pour vaincre ce peuple-là. Maintenant, il est venu sur le terrain. Le prophète a dit, crois en ces prophètes et crois à l'Éternel ton Dieu. Et vous allez réussir, vous allez vaincre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a sorti ces chants-là et ils ont chanté à la gloire de Dieu. La foi qui chante. Maintenant, tu ne pleures pas. Tu n'es pas sobre. Tu n'es pas en train de crier à haute voix. Tu ne fais rien parce que tu as la foi qui chante. Voyez la Paul et Silas, au milieu de la nuit, il priait l'Éternel et chantant les louanges de l'Éternel. Et les fondements de la prison furent ébranlés. Et toutes les portes et les liens des prisonniers étaient libérés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi qui chante. Quel type de foi avons-nous? Quand nous allons sur le champ de bataille, est-ce que c'est la foi qui se plaint, qui murmure? Oh, je suis seul. Personne n'est avec moi, il ne contribue pas à l'argent, hein? Il ne m'aide pas, hein? Je suis seulement ici, hein? Vraiment je passe ma vie, il n'y a pas d'appréciation, ça ce n'est pas la foi, mais quand tu as la foi silencieuse, quand tu as la foi sans la vue, quand tu as la foi qui chante, tout muraille tombera devant toi. Voyons ceci, en Actes des Apôtres chapitre 18, Actes des Apôtres 18, Verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Car, verset 10, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Avec cette promesse, tu peux avoir une foi silencieuse. Comme tu marches dans les rues, comme tu vas à tes activités régulières, silence cette foi en toi, tu ne t'enorgueillis pas, tu ne luttes avec personne, tu as la foi silencieuse, tu as la foi sans la vue, et tu as un grand peuple, peuple nombreux dans cette vie, tu ne les vois pas. Mais c'est la foi sans la vue. Ce n'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu crois. Alors, tu as la foi qui chante. Grande est ta fidélité. Chaque matin, elle se renouvelle chaque jour. Et tu chantes au Seigneur tout
tes murailles de Jéricho tomberont au nom de Jésus. Deuxième élément maintenant, dans le deuxième point, les grandes promesses pour une foi progressive qui cherche. Pour une foi progressive qui cherche. Comme Josué se leva, il s'est rappelé ce que Dieu lui avait dit. Maintenant, chaque jour, quand il se lève, il avançait. Aujourd'hui, plus élevé qu'hier. Demain, plus grand qu'aujourd'hui. Semaine prochaine, plus élevé que cette semaine. Parce que chaque fois, il progressait. Chaque fois, il avançait. Il n'a pas permis à un jour de passer. Il y avait un plan. Il y avait des stratégies. Il y avait la vision. Il y avait des décisions. Il y avait la détermination. Et il y a le progrès. Chaque jour, il sait qu'aujourd'hui va ajouter à la victoire d'hier. Tu sais que l'accomplissement d'aujourd'hui s'ajoutera à l'accomplissement d'hier. Tu sais, la hauteur d'aujourd'hui s'ajoutera à la hauteur d'hier. Tu sais que c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle semaine. Et ce qui se passe aujourd'hui doit dépasser ce qui s'est produit la dernière fois. Et pour cela donc, tu as cette foi progressive chaque fois. Et cette foi qui cherche à tout moment. Ta foi qui cherche, n'est-ce pas? De cette manière que nous avons nos expériences chrétiennes premièrement. La foi salvatrice. Tu cherches le salut du Seigneur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, notre Dieu, qui ne se lasse point de pardonner. La foi qui cherche, la foi salvatrice, n'est-ce pas? Ce qui s'est produit, on progresse, on avance, tu ne dors pas sur tes lauriers pour dire, bon, je suis sauvé l'année dernière, je suis sauvé cette année, je suis sauvé. Mais tu dois progresser. Il y a la foi qui sanctifie, la purifiant le cœur par la foi. Tu dois avancer. Ce n'est pas seulement la même chose que tu as dit hier, la même victoire que tu as eue hier, et le même triomphe que tu as hier, et c'est là où tu es toujours. Non, tu progresses et tu cherches. Il y a donc la foi salvatrice, il y a la foi qui sanctifie, et ensuite il y a la foi qui fortifie. La force de faire ce que Dieu t'appelle à faire, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour que le Dieu des cieux te fortifie dans l'homme intérieur et il t'immerge et te baptise dans la puissance du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas statiques, nous ne sommes pas stagnants, nous ne demeurons pas en un seul endroit. Tout ce que nous faisons, il doit avoir d'avancement, il doit avoir la recherche du Seigneur pour ce que nous n'avons pas encore eu. Est-ce que toi tu cherches encore le Saint aujourd'hui ou bien à tout moment, oh gloire à Dieu, je suis enfant de Dieu. Tu l'as dit hier, avance non, oh gloire à Dieu, je suis sauvé, gloire à Dieu. Mais tu l'as dit l'année dernière, depuis 10 ans, tu es sauvé. Pourquoi est-ce que tu ne cherches pas le Seigneur pour la sanctification, pour la purification de ton cœur, pour que ton cœur, ton âme, ton esprit soit saint. Complètement saint, entièrement saint. Parce qu'il dit, recherchez la paix avec tous. Et alors, ton expérience, si tu sais que si tu ne progresses pas, si tu n'avances pas, tu ne peux pas avoir la paix avec tous les hommes. Les hommes que tu as rencontrés l'année dernière. Des gens simples, gentils, des gens reconnaissants. C'est facile de rechercher la même chose. Mais est-ce que tu sais, comme tu te développes, comme tu grandis, comme tu as plus de succès, il y aura des gens qui seront jaloux de toi. Il y aura des gens qui vont t'envier, envier ta position. Et ils diront, ah, nous allons lui rendre les choses difficiles. Et tu as des catégories de personnes différentes aujourd'hui que tu n'avais pas la dernière fois. Tu dois rechercher la paix avec tous. Tu dois avancer. Pour le salut, du salut à la sanctification. Si tu veux pouvoir rechercher la paix avec tous les hommes, il y aura des gens qui vont te critiquer, il y aura des gens qui vont vraiment te morceler, il y a des gens qui vont te rabaisser, il y aura des gens qui vont te minimiser pour dire, il est qui même? Nous entendons, il fait ci, il fait ça là, avec toutes ces choses là, comme on a dit,
Si les renards sautent sur ça, tout va s'effondrer. Mais tu dois rechercher la paix avec tous ces gens-là. Et c'est parce que tu progresses. C'est comme ça que tu peux rechercher la paix avec tous les hommes. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous savez, les tentations de 30 ans, elles sont petites, elles sont minimales, elles sont limitées que les tentations d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de COVID à l'époque. Toutes les choses que nous trouvons maintenant, elles n'étaient pas à l'époque. Même si tu avais réussi avant et tu recherchais la sainteté et tu étais au sommet des situations, ces années sont passées. Les choses sont différentes maintenant. L'ennemi, Satan, sachant que le retour du Seigneur est très très proche, il rend les choses plus difficiles pour tout le monde. Et en particulier pour ceux-là qui prêchent l'évangile. Par le passé, on pouvait aller dans un établissement et dire ainsi parle le Seigneur. Et on rassemblait les gens pour la communion. Et on dit même qu'il n'y a plus de prière dans les établissements. On dit même, on ne peut plus faire ceci, on ne peut plus faire ça. Vous voyez, les choses deviennent plus difficiles. Maintenant, pour que toi, tu puisses rechercher la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, tu dois progresser. Ta sanctification ne doit pas être une simple sanctification. Ta sanctification ne doit pas être une sanctification superficielle, légère. Elle doit être une sanctification qui est profonde dans ton cœur, profonde dans ton âme, profonde dans l'expérience et la puissance du Saint-Esprit que tu as et qui te donnera la victoire partout où tu te trouveras. La foi qui progresse et qui cherche, la foi salvatrice, la foi qui sanctifie. La foi qui fortifie. Voyons 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Selon que sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la 2 Pierre 1, 3 et 4, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4 dit, lesquels nous assurent de sa part tout ce que nous devrions avoir pour affronter tous les Goliaths, tout ce dont nous avons besoin pour mépriser le feu de Nebuchadnezzar, tout ce dont nous avons besoin pour dire aux Sanhédrin, qu'ils le veuillent ou pas, nous obéirons à Dieu plutôt qu'aux hommes, tout ce dont nous devons avoir. Pour avoir la victoire, le triomphe et le succès dans le ministère, il nous les a donnés. Il nous a donné toutes choses, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et il nous a donné les plus grandes et plus précieuses promesses afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Pensez à cela. La nature divine, ça c'est la nature de Dieu. La nature de Dieu. Qui a le contrôle de toutes les situations. Il nous donne cette nature. Ça, c'est la nature triomphante. Ça, c'est la nature qui domine. Ça, c'est la nature qui renverse toutes choses de l'ennemi. Une nature conquérante, il te la donnera. Ils vont pas te vaincre. Ton monde ne va pas te vaincre. Le diable ne va pas te vaincre. La chair ne va pas te vaincre. Les ennemis ne vont pas te vaincre. Et ceux qui se tiennent dans le chemin pour dire qu'ils viennent, qu'elles viennent, dès que tu seras là-bas, ils vont disparaître. Quitteront ton chemin. Tu vas réussir. Je vais réussir. Parce que nous sommes participants de la nature divine en fuyant. La corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Troisième élément maintenant, les promesses de Dieu possédées par une grande foi qui s'approprie. Une grande foi qui s'approprie. Ça veut dire quoi? Il a fait la promesse. Lève-toi et va. Passe au Jourdain. Parce que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous le donne en possession. Tu dois t'approprier cela. Parcours ta Bible. Vois les promesses qu'il a faites. Les promesses de liberté. Les promesses
de domination, les promesses de victoire, les promesses de triomphe. Et tu dois t'approprier ces promesses. Tu dis, oui, c'est pour moi. Tu l'interprètes, c'est pour moi. Tu réclames ça, c'est pour moi. Tu confesses, c'est pour moi. Ce que tu confesses, tu vas posséder. De qui est-ce que je parle là-bas? Tu vas posséder au nom de Jésus. Parce que maintenant, il nous dit que nous nous approprions et nous approprions par cette forte foi. Premièrement, fortifie-toi, la foi forte. Ce n'est pas une foi que le vent d'adversité peut souffler par-ci, par-là. Ce n'est pas une foi que toutes les circonstances, toutes les vicissitudes de la vie vont te traîner par-ci, par-là. Une foi forte. Quel type de foi? C'est une foi ferme. Une foi ferme. Une foi qui dit, je sais que Dieu a parlé. Il a le dernier mot. Et parce qu'il a le dernier mot, ce qu'il a dit sera. Ce qu'il a dit sera dans ta vie au nom de Jésus. Premièrement donc, c'est une foi ferme. Deuxièmement, c'est une foi qui fortifie. La foi nous fortifie. Comment? La parole de promesse, la parole de puissance, la parole qu'il a proclamée apporte la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Et c'est une foi qui fortifie. C'est une foi ferme et ensuite c'est une foi surpassante. Vous voyez, la foi que tu as, il y a de cela 40 ans, quand tu étais un jeune, tu n'étais même pas marié à l'époque, tu avais la foi, tu ne savais même pas, tu ne connaissais pas les difficultés, tu ne connaissais pas les problèmes. La foi, c'était bon. Et la foi t'a poussé à vaincre les pressions des pairs, de tes collègues, la pression de tes collègues. Il y avait, tu ne renfrognais pas la mine. Ça faisait un peu mal seulement. Maintenant, 40 ans après, tu fais face au Goliath maintenant. Tu fais face aux géants du pays maintenant. Tu fais face et ils ont des murailles solides, hautes. La foi que nous avons maintenant doit être une foi surpassante. La foi qui surpasse toutes les particularités du passé. Parce que c'est un nouveau jour maintenant. C'est une nouvelle période maintenant. C'est pourquoi ta foi doit être développée. C'est ce type de foi qui s'approprie. Elle fortifie-toi. Parce qu'elle est ferme. Parce qu'elle fortifie. Elle est surpassante. Romains chapitre 4, verset 20. Romains 4, verset 20. Il dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il ne douta point, pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Les promesses que Dieu nous a données à Abraham, et il n'a pas, elles étaient incroyables, incroyables. Est-ce à cet âge-là, quand tu auras un enfant, et cet enfant sera celui qui va continuer l'alliance que Dieu a donnée. C'était vraiment difficile, incroyable. Presque impossible, mais Abraham ne douta point au sujet de la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié par la foi. Il était ferme dans la foi. Il était fortifié dans la foi. Il surpassait, il avait la foi surpassante dans le Seigneur, mais il fut fortifié par la foi. Il peut être environné des gens qui rient quand la promesse s'était donnée. Parce que pour eux, ça c'est impossible pour eux. C'est incroyable pour eux. C'est un lieu impossible et ils rient. Mais, par la décision personnelle, lui, par la dépendance totale en Dieu, lui, par la diligence personnelle, en examinant la parole de Dieu, fortifié par la foi,
fortifié dans la foi, ferme dans la foi, surpassant la foi des autres autour de lui. On dit, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. La promesse n'était même pas encore accomplie, donnant gloire à Dieu, parce qu'il considéra ces choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Parce qu'il savait, voici le Dieu qui ne peut faillir. Voici le Dieu qui a la puissance qui ne peut faillir. Et pour cela donc, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et verset 21, et ayant la pleine conviction, sentant, tu auras un enfant, ayant la pleine conviction, le corps ne fonctionne plus, ayant la pleine conviction, le corps de Sarah était comme mort, mais ayant la pleine conviction, et la biologie ne soutient pas cette attente de pour que tu espères un enfant, mais ayant la pleine conviction dans l'histoire déjà autour de lui, de sa famille, de son père, et maintenant de ses grands-parents. Il ne supporte pas cette promesse d'espérer l'enfant à cet âge, mais ayant la pleine conviction, et son esprit lui disait, Abraham, ne te ridiculise pas, hein? Tu sais bien qu'à ton âge et à l'âge de Sarah, tu sais bien que c'est une impossibilité. Mais il n'a pas écouté ceux qui parlaient par incrédulité, parce qu'il avait la pleine conviction. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Dans ta vie, Dieu est capable de l'accomplir. Dans ton ministère, Dieu est capable de l'accomplir. Et ce qui semble impossible, incroyable, ce qui semble ne peut être fait, et peut-être même toi tu dis, si j'avais écouté ça il y a 30 ans, quand j'avais commencé le ministère, je serais dans les cieux. Mais dans cette heure tardive, je suis vieux dans le ministère et je continue comme ça maintenant. Voyez ce qui se passe maintenant. Si tu peux seulement croire que Dieu est capable, il fera l'incroyable dans ta vie. Il fera l'incroyable dans ta vie. Il fera l'impossible dans ta vie. Ce qu'il te faut faire. Abraham était un homme. Il est devenu l'ami de Dieu à cause de la foi qu'il avait. Et il a cru en Dieu et avait la pleine conviction que tout ce qu'il faut, tout ce qui peut être contraire à la science, ça peut être contraire à la biologie, ça peut être contraire à ce qu'ils appellent histoire. Mais il avait la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et il y aura un accomplissement dans ta vie au nom de Jésus. Il n'y aura pas de retard parce que le moment de l'accomplissement est venu. L'heure de l'accomplissement est venue maintenant. Et le Seigneur accomplira tout ce qu'il a promis dans ta vie au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Troisième point, la présence divine du Dieu omniprésent. Toujours présent dans la mer. Si tu vas au fond de la mer, il est là. Si tu prends la nuit la plus ténébreuse, il est dedans. Il voit à travers les ténèbres. Il voit à travers toutes choses. Et partout. Et partout, tu peux être, le Seigneur est avec toi à tes côtés. Il ne va jamais te délaisser. Il ne va jamais t'abandonner. La puissance de Dieu sera toujours avec toi. La présence du Seigneur sera toujours avec toi. La promesse de Dieu sera toujours et va te localiser partout où tu es au nom de Jésus. Voyons Josué chapitre 1. Lisons le verset 5. Josué chapitre 1, verset 5. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Attendez. Et si tu réalises simplement maintenant qu'aujourd'hui, que ce lieu où tu veux aller là, tu veux aller dans un bureau là-bas, tu demandes quelque chose là-bas, tu veux aller dans une localité là-bas, tu veux demander quelque chose, mais tu sais qu'il n'y a aucun homme dans cette localité, dans ce bureau là, aucun homme dans cette communauté qui te dira non. Et tu sais,
qui pourra résister devant toi? Et quiconque à qui tu parleras, tous ceux que tu vas rencontrer, ils diront oui. Tu vois cela, oui. Tu demandes cela, il dit oui. Tu n'as pas dit oui. Ils ne diront pas non. Vous savez pourquoi? Nous ne faisons pas des efforts. Vous savez pourquoi? Nous ne posons pas de questions. Vous savez pourquoi? Nous ne demandons rien. Ah, il peut me rejeter. Il peut dire non. Il peut. Les gens qui sont là-bas, là, ils sont plus grands que toi. Ils n'ont pas eu ça. Et c'est toi qui viens ici. Et parce que nous pensons au rejet, nous pensons qu'ils ne vont pas approuver ce que nous demandons, et ils vont dire non. C'est pourquoi nous ne faisons pas des efforts. Mais si tu sais, comme le ciel sait, que partout tu iras, et tout ce que tu demanderas, dans le devoir que Dieu t'appelle, que personne ne pourra tenir devant toi, tant que tu vivras, tu iras aux endroits que tu n'as jamais été. Tu demandes des choses que tu n'as jamais demandé avant. Et les choses qui t'effrayaient avant et qui t'intimidaient avant, toutes ces choses quitteront ton esprit. Parce que tu sais que tu es appelé de Dieu. Et nul ne tiendra devant toi. Quand Dieu nous appelle au ministère, généralement, c'est bon. Hein? Je vais dans tel lieu maintenant. Je vais prêcher là-bas maintenant. Je vais prêcher là-bas. Je vais établir une église là-bas. Et nous commençons à vérifier, à chercher les informations. On dit, ah, ce lieu-là, il n'accepte pas l'église. Hein? Il n'accepte pas que tu viennes et dire que tu veux bâtir une grande église. Ça n'a jamais eu lieu. Hein? Ils ne permettent pas des gens de le faire. Et ceux-là qui ont été là-bas avant, ils ont fui. Parce que ce lieu-là est un terrain difficile, c'est un lieu impossible. Et quand nous avons ça à l'esprit, c'est difficile de faire la volonté de Dieu. C'est difficile d'aller de l'avant et de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Même si tu sais, et si aujourd'hui tu as la pleine conviction, tu es rassuré du plus profond de ton cœur, que comme tu vas dans ce lieu-là, tu a peut-être appris beaucoup de choses. Ce lieu dont tu as entendu la histoire, tu iras là-bas et aucun homme ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Certaines personnes disent, si je savais ce que je sais maintenant, là, quand j'étais fort, quand j'étais jeune, si je connaissais ce que je connais, j'aurais fait beaucoup pour le Seigneur. Cette année qui vient là, l'année prochaine, 2023, fais confiance à Dieu, appuie-toi sur Dieu, crois en Dieu. En un an, tu peux faire ce que tu n'as pas fait pendant 20 ans. Parce que maintenant, la foi forte est là, la foi ferme est là, la foi surpassante est là, et tu es capable de relever tout défi. Même si tu te tais, la foi silencieuse, il y a une foi sans, on l'a vu, et il y a aussi la foi qui chante. Tu n'es pas du genre qui pleure, qui se plaint, tu te réjouis dans le Seigneur, et tu chantes, et tu es content, et tu es excité, parce que tu sais que cette année qui vient sera une année d'accomplissement, une année de victoire, une année de triomphe. Une année pour avoir les convertis que tu n'as jamais vu dans ta vie. C'est une année de convertis multiples au nom de Jésus. Parce que l'heure est venue pour toi, pour moi. Nul, aucun magicien, aucun occulte, aucun homme élancé ne pourra tenir devant toi, devant moi. Devant moi, au nom de Jésus. Comme il a été avec Moïse, il sera avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. La présence divine du Dieu omniprésent
trois éléments. Premièrement, la promesse infaillible de Dieu pour chaque jour. Chaque béni jour, chaque jour béni, la promesse infaillible de Dieu pour chaque jour. Est-ce que les promesses de Dieu agissent seulement les dimanches? C'est une question que je pose. Hein? Est-ce que ce n'est que les lundis que ça marche? Est-ce que les promesses de Dieu ne fonctionnent que les lundis, les mardis, en saison pluvieuse, dans les jours ensoleillés, ou bien les jours de poussière, ou les jours politiques? Est-ce que les promesses de Dieu fonctionnent quand tu es au village, quand tu es en ville? Est-ce que les promesses de Dieu ne fonctionnent que lorsque tu es seul? Est-ce que les promesses fonctionnent quand tu es avec les autres? Chaque jour, la promesse infaillible de Dieu pour chaque jour. Deuxième élément, la protection inattaquable de Dieu pour les laborieux fervents. Les laborieux fervents, ceux qui disent, je serai à mon poste. Ceux qui prennent de l'âge, des générations passées, ils chantaient, je serai à mon poste, je mourrai à mon poste. La génération présente, nous chantons, je serai à mon poste, je vivrai à mon poste. Vous n'avez pas dit amen à cela. Nous ne cherchons pas la mort. Hein. Josué, quand il est venu sur la terre de Canaan, n'a pas dit, je serai à mon poste et je mourrai à mon poste. À Jéricho, non. Tu ne peux pas mourir à Jéricho, mourir à ton poste. Tu dois conduire le peuple et couvrir tout le territoire. Tu ne mourras pas à ton poste. Tu vivras à ton poste. Tu réussiras à ton poste. Tu es là aujourd'hui, à ton poste. Tu vas continuer à vivre. Demain, le lendemain, le jour suivant, le mois prochain, l'année prochaine, quand Dieu nous donnera la chance de revenir encore, je te verrai fort à ton poste. Deuxième élément, la protection inattaquable de Dieu pour les laborieux fervents. Troisième élément, la présence incessante de Dieu avec les disciples engagés. C'est pour les formateurs de disciples engagés. La présence incessante de Dieu avec les formateurs de disciples engagés. Dieu leur accorde sa présence. La présence qu'il est toujours là. Voyons le premier élément, la promesse infaillible de Dieu pour chaque jour. La première partie du verset 5. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie, tant que tu vivras. Deutéronome 11, verset 25. Deutéronome 11, verset 25. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Comme il vous l'a dit, la table tourne maintenant. J'ai dit la table est en train de tourner maintenant. Ces 12 espions sont allés sur la terre promise. Ils ont pris les fruits. Ils ont mis ça sur leur épaule et ils sont venus dire aux autres. Ils avaient peur des Cananéens. Maintenant, pour Josué, pour Caleb et ceux qui avaient l'esprit de Josué et l'esprit de Caleb, la table tourne. Au lieu d'avoir peur d'eux, ils auront peur de toi.
la cohorte, les serviteurs et les disciples du diable, et ceux qui sont dédiés au mal et qui sont emballés par le mal, tu avais peur d'eux. Mais aujourd'hui, l'Église se lèvera comme un géant. Et quand ils verront ces géants et ces champions venant, ces Cananéens, ils auront peur de toi. Tu n'auras plus peur d'eux, mais ils ont peur de toi. J'ai écouté l'histoire d'une jeune dame. Cette dame est allée faire l'évangélisation. Elle voulait faire le missionnaire dans une localité donnée. Mais il y avait un homme fort du diable là-bas, un herboriste terrible. Il a envoyé un message à la dame pour dire, jeune dame, tu ne comprends pas, ce territoire-là m'appartient. Tu n'es pas autorisé à venir ici. S'il te plaît, ramasse tes bagages et va ailleurs. La dame n'a pas compris. Elle a dit, je suis enfant de Dieu. Je suis fille de destinée. Est-ce qu'il y a des filles de destinée ici? Où êtes-vous là-bas? Filles seulement, les filles de destinée seulement. Hein? Seulement les filles de destinée. Où êtes-vous? Elle était une fille de destinée. Que Dieu vous bénisse. Et les... cet homme occulte a crié, a dit, quitte la ville. Si tu ne veux pas, nous viendrons. Nous viendrons à la place publique du village. Et nous allons démontrer la puissance. Et cette jeune dame n'était pas pentecôtiste. Elle ne connaissait rien. Le baptême du Saint-Esprit, la puissance ou rien de tout. Elle était un enfant de Dieu simplement. Et ils sont venus à la place publique du village. Et les gens s'étaient rassemblés autour de la place publique. Et cet homme a commencé à jouer un type de tam-tam. Et la jeune fille, c'était étrange. Elle était debout, elle le regardait. Et tout a continué. Et l'homme, comme il tapait le tam-tam, faisait des incantations, tout cela. Le monsieur a quitté littéralement la terre. Et il flottait en l'air. La jeune dame, la soeur a dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Dieu a dit, va là-bas, mets ta main. Comme il flotte en l'air là, elle est allée là, elle a mis la main et le monsieur est tombé par terre immédiatement. La jeune fille était debout là et le monsieur, seulement la main de cette fille qui l'a touchée, il a perdu toute sa puissance. Il est devenu un homme ordinaire. Il s'est levé, il s'est mis à genoux pour dire, tu as la plus grande puissance, qu'est-ce que je dois faire? Et cette jeune dame l'a conduit. Et il a été converti. Il est devenu le premier converti de cette jeune dame missionnaire. Et parce que tout le monde connaissait ce monsieur dans cette communauté, tous ces gens-là se sont repentis. Aucun incroyant n'est resté dans ce lieu-là. Et ils ont construit une église là-bas. Les gens de partout, de tous les villages, venaient. Ça, c'est notre jour. C'est ton jour. Et la puissance du Seigneur ira avec toi au nom de Jésus. Personne ne pourra tenir devant toi. Aujourd'hui, demain, l'année prochaine et pour le restant de ta vie au nom de Jésus. Deuxième élément, la protection inattaquable de Dieu pour les laborieux fervents. Josué 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Est-ce que tu peux te représenter Moïse qui marche de façon confidente? Ce magicien était dans le palais de Pharaon. Et comme il est arrivé là-bas, Pharaon a dit, qu'est-ce que tu cherches? Montre-moi l'évidence que tu as la puissance. Il a jeté la verge qui est devenue un serpent. Pharaon dit, magicien, qu'est-ce que vous attendez? Jetez vos verges. Et ils ont jeté leur puissance. La verge de Moïse a avalé tous leurs verges, tous leurs serpents.
Ils ont perdu toute leur puissance. Nous sommes entrés dans une nouvelle journée, un nouveau ministère où ceux-là qui essayaient d'utiliser cette puissance maléfique quand ils nous affrontaient et on les regardait, on n'a même pas besoin de crier. Nous avons cette foi silencieuse, cette foi sans la vue et une seule foi qui chante. Ils perdront toute leur puissance devant toi au nom de Jésus. S'ils ont tué les puissants pour captiver les gens, capturer les gens, emprisonner les gens et ils opprimaient les gens, tu vas là-bas comme un libérateur. Tu vas là-bas comme ceux qui vont les élever et les puissants des ténèbres vont fléchir devant nous. Partout nous irons au nom de Jésus. Troisième élément, la présence incessante de Dieu avec les formateurs de disciples engagés. Josué 1, verset 5. La troisième partie, commençons par le haut. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je pensais que tu vas donner grand mène. Je ne t'abandonnerai point. Frères et sœurs, vous savez, il y a des moments où nous permettons à nos sentiments de s'interposer entre nous et notre Dieu. Peut-être que tu dis, oh, je devais avoir un moment de tranquille, de dévotion de 30 minutes, mais je n'ai pas eu tout ce temps pendant une heure. J'ai seulement fait 15-20 minutes. Et nous permettons cela comme si les minutes complémentaires que nous n'avons pas eues ont renvoyé la présence de Dieu. Dieu est toujours là. Et parfois, tu fais quelque chose, tu es content, tu es excité, tu es au sommet du monde. Et quelqu'un devant toi te regarde, te rabaisse, te minimise. Et ça amène ton esprit à s'enfoncer. Tu dis, oh, parce que mon cœur s'enfonce maintenant, je ne suis pas content, je ne suis pas au sommet du monde. J'étais excité avant maintenant. Cette personne qui m'a rabaissé là et telle qui m'a regardé, telle qu'elle m'a regardé la même. Oh, c'est comme si je m'enfonce. J'ai été minimisé. Je suis comme... Alors la présence de Dieu n'est plus là, c'est ça? La présence de Dieu est toujours là. Nos sentiments ne chassent pas Dieu. Notre vue ne chasse pas Dieu. Les rayons solaires, la chaleur, la sueur ne chassent pas la présence de Dieu. La fraîcheur ne chasse pas la présence de Dieu. Chaque jour de ta vie, peu importe ce que tu sens, Dieu sera avec toi. Sa présence va te fortifier. Il va te tenir. Le plus grand courage que tu as jamais eu. Pense à la plus grande confiance que tu as jamais eue. Et pense à la plus grande conviction que tu as jamais eue. Et pense au plus grand jour, au moment où tu étais au sommet de ta grâce, quand tu étais vraiment emballé par la parole de Dieu. Tu étais sensible à la puissance de Dieu. Ce sommet sera toujours dans ta vie. Ce n'est pas par les sentiments, ce n'est pas par les émotions, ce n'est pas par les cris, ce n'est pas par le fait de sentir quelque chose. Rien ne renvoie Dieu de son serviteur ou de la vie de son enfant ou de sa fille de destinée ou de son fils d'objectif. Le Seigneur est avec toi. Il va t'aider. Il va te fortifier. Il t'accordera la victoire. Le triomphe sera pour toute ta vie au nom de Jésus. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je ne vais pas t'abandonner. Alors nous pourrons dire avec assurance, l'Éternel est mon secours. Tu seras triomphant au nom de Jésus. Levons-nous maintenant et parlons à Dieu dans la prière. Le Seigneur nous a parlé. Nous sommes son peuple et nous sommes ceux appelés par le Seigneur et il sera avec toi sur le champ missionnaire. Il ne va pas te décevoir.